À 71 ans, Josiane Balasko reste toujours aussi sur le devant de la scène. Depuis plusieurs semaines, la comédienne est ainsi à l'affiche de la pièce de théâtre Un chalet à Gstaad, au Théâtre des Nouveaux à Paris. Spectacle écrit par ses soins. Un autre projet qu'elle peut donc ajouter à son CV, déjà fourni d'une dizaine de pièces et autant de scénarios de films, mais aussi des romans ou des nouvelles, comme l'a récemment expliqué le magazine Paris Match. En effet, elle compte 4 ouvrages portant son nom, écrits entre 2004 et 2019. Son dernier bouquin, Jamais plus, édition Pygmalion, est d'ailleurs un recueil de 8 nouvelles fantastiques. Mais si Né ne tenait qu'à elle, l'ex-star de la troupe du Splendide ne s'en consacrerait qu'à un seul hobby. Une passion tout aussi dévorante qu'étonnante qu'elle cultive à l'abri des regards. Si je m'écoutais, a-t-elle amorcé auprès de nos confrères au cours d'une interview, je jouerais aux jeux vidéo toute la journée, j'adore ça. Mais si elle a, de façon inattendue, succombé à l'appel de la manette, Josiane Balasko n'oublie pas de prendre la pluie pour autant. Écrit remplit ma vie, repousse la peur de les nuits. Je viens de m'atteler à un roman d'action. Ne me demandez pas pourquoi. Josiane Balasko et les jeux vidéo, près de 40 ans d'amour. Si cette passion pour les jeux vidéo est méconnue, ce n'est pas la première fois que Josiane Balasko l'évoque sans retenue. En octobre 2020, la gameuse en a même expliqué la genèse auprès d'Europe 1. Ça a commencé dans les années 1980 parce que moi, j'étais une des premières à avoir un ordinateur domestique qu'on disait facile à utiliser. Bon, il y avait quelques petits jeux. Et puis surtout sont arrivées les consoles Atari, a confié la mère de Marie-Lou Berry. Puis la Game Boy est venue avant d'être remplacée, avec le temps, par la PlayStation. Alors ça a été terrible. Quels sont ces jeux de prédilection? J'étais accro à Lara Croft, j'y ai passé des soirées, et c'était très épuisant. Elle a ensuite craqué pour Age of Vampire et le jeu vidéo Game of Thrones, inspiré des livres et de la série du même nom que les fans de fiction médiévale connaissent bien. Sa seule limite? Je ne joue pas la nuit, parce que la nuit j'achète une trêve, pour ne pas être attaqué, parce qu'on peut être attaqué à tout moment si on n'a pas une protection et tout ça. Donc, siest plutôt le matin. D'autant que ses proches n'hésitent pas à la réprimander.